qu'on peut dire qu'une course entre deux Somaliens, c'est une course de côte? Une course de côte? En vrai, la chute a été dégagée. Oui, oui. Que dit un poussin de 200 kilos? Pioum, pioum. Pourquoi les voitures ne roulent pas dans le nord? Parce qu'ils n'arrêtent pas de caler. C'est la mort qui s'en suit. Jean Donétien nettoie, une grande passion depuis son plus jeune âge. Tu vas te cacher fier. Tape dans le front, je suis pour ton mal. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ah, c'est trash. Bâtard au portable. Eh, Enguerrand, tu sais ce que c'est un chat qui tombe dans un pot de peinture le 25 décembre? C'est un chat pas de Noël. Ouais, yes. Goût framboise et goût. Ça, la mèche encore là. Non, pas ma serviette, bordel. Bah, on est prêt pour une lutte coup de poing contre le gouvernement qui nous oppresse et qui les taxe. Voilà. Avec moi, les gars, ouais. Petit ours bras, coucou c'est toi mon copain. Petit ours bras, tu fais toujours à tes anciens. Petit ours bras, tu fais toujours le coquin. Petit ours bras, sur tes brodeaux le matin. Petit ours bras, petit ours, petit ours, petit ours. C'est encore un coup de tonnier. Saint-Pierre, allez. Saint-Pierre, allez, debout.
N'aie pas pitié des morts, Drago Malfoy. Et plutôt pitié des vivants, surtout ceux qui vivent sans amour. Ok. Oui, c'est moi. Vous êtes le barman ? Non, je suis Bumbledore. Ça faisait longtemps que nous t'attendions. Comment ça, nous ? C'est nous ! Mais vous n'avez pas de balai ici ? Non. Les balais, c'est des mauvais. Bon, Harry, ne restez pas seul dans le couloir. Rejoignez votre groupe. Et c'est ainsi qu'on a un rectangle. Wow. Harry Potter? Wow! Harry Potter! Oui, c'est moi. J'ai bien connu votre papa. Prenez votre place. Viens me voir à la fin du coup. Et c'est comme ça qu'en fait un carré, donc c'est un peu comme ça. Et quand ça va plus dans la profondeur. Monsieur Potter. Et en fait, c'est. Et moi, je viens carré. Ah, voilà, qu'elle va. Non. Mais ça va pas ou quoi? Il te manque une case, gros nigo. Ça va pas? C'est quoi ton monsieur, problème? Monsieur, est-ce que c'est bien comme ça? Oui. Vous avez demandé de venir me voir, monsieur Potter. On subirait les conséquences. Allez, assez perdu de temps. Passons directement à la pratique. Soumission ! C'est parti, mon kiki. La francine, c'est la francine. Oula. Sont du niveau éco, les profs de maths ne servent à rien, Véro nique les maths. Bien, alors donc chez Descartes, le cogito nous donne le critère de la vérité. Oui, Donatien ? Oui, c'était pour savoir, nonobstant le fait que ça ne soit pas la matière, je voulais savoir si par analogie, ce que vous pensez en général par rapport à la philosophie de la SVT et de M. Constantin. De M. Constantin ? Les profs de quoi déjà ? SVT ? Mais SVT, c'est pas une matière, ça. Ah si, ouais. Science de la vie et de la terre. Ça envoie du rien. Science de la vie. Alors tu vas voir un prof de SVT et tu lui demandes « Et la vie, elle est apparue comment sur Terre ?» Le gars, vous n'en savez rien. Bon, d'accord, et elle a évolué comment ? Bah, elle a évolué par mutation aléatoire. Aléatoire. Mais tu crois ? Le hasard, quoi. Le hasard. Je laisse la parole au cardinal de Bernis. Le hasard est un mot qu'invente l'ignorance et qui, de nos esprits, marque l'insuffisance.
Autrement dit, monsieur Constantin, il est prof de rien. C'est du pipeau. Il est prof de pipeau. Voilà, le pipeau. Ah, mais Laoua serait peut-être intéressé. Hé, hey, Ronan, il y a une place pour toi à Laoua. J'enseigne quoi? La biologie, la géologie, l'astronomie, la climatologie. Tiens, et puis il me semble que les études de biologie, tiens, mais c'est les études les plus longues au monde. Prof de philosophie, bac plus 4 ou 5. Oh, puis j'en ai marre d'être politiquement correct. On fait quoi en philo, en fait? On se branle le cerveau sur ce qu'a voulu dire un vieux barbu il y a 1000 ans, il y a 100 ans. D'autant que les barbus, ils étaient souvent, il me semble, sous l'emprise de substances psychotropes. Tiens, on revient à la biologie. Voilà, bah on se retrouve pour notre plantation de lentilles. Et donc maintenant on va planter les lentilles avec style. Pour ça il faut avoir des gros bras. Alors on va planter les lentilles avec délicatesse. Et maintenant nous allons passer à l'orange lentille qui va apporter un aspect décoratif à la chambre. Pour ça, prenez une orange, mettez du coton délicatement dedans. Toc ! Et voilà ! Mission accomplie ! Oops, I did it again. I think I did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. Cause to lose all my senses, that is just so typically me. Oh baby, baby, oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Oh baby, baby, oops, you think I'm in love, but I'm sent from above. I'm not that innocent. You see, my problem is this: I'm dreaming away, wishing that heroes that truly exist. I cry watching the names. Can't you see I'm a fool in so many ways? But to lose all my senses, that is just so typically me. Baby, oops, oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Oh baby, baby, oops, you think I'm in love, but I'm sent from above. I'm not that innocent.